Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet Cargo Kite. Donc, comme vous le savez, c'est un projet de traction d'un cargo par le vent, d'aide par le vent. Il faut savoir qu'en fait, la consommation d'un cargo, c'est environ 4 litres de carburant par seconde. C'est énorme. Ça représente environ 7000 euros par heure. Et dans la situation économique et environnementale actuelle, pardon, c'est des choses qu'il faut éviter. Et donc, nous, aujourd'hui, on va vous proposer une solution d'avenir pour réduire ces émissions de CO2 et faire des économies. Donc, on s'est inspiré donc, des kites qu'on a doublés pour produire un effet éolien et récupérer cet effet éolien et le transformer en force de traction. Donc, on va pouvoir voir des schémas et des exemples. Donc oui, le schéma, vous pouvez le voir sur les écrans. Nous avons la maquette ici avec les deux kites en question. Nous avons un boudin général, on va dire, qui va être tout le temps gonflé, qui va garder la structure rigide et qui va permettre de faire tourner l'ensemble comme une hélice d'avion. À cela, comme on peut s'y attendre, il faut quand même corriger la trajectoire. Donc nous avons un boudin ici, il est dégonflé. Oui, sur l'exemple, il est dégonflé. Donc, il permettra de corriger la trajectoire en le gonflant avec la pression du bateau. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, l'asservissement d'air, il s'est fait au niveau du boîtier. Donc, on vient intervenir sur différentes sections du boudin pour modifier la structure en elle-même de l'aile pour ensuite modifier la trajectoire. Voilà, arriver à rester vraiment stable et pouvoir avoir un mouvement de rotation éolien qui permettra l'attraction du bateau. Donc sur le 3D, le rendu graphique, voilà à quoi ça ressemblerait. Donc ça ressemble un peu à une fleur, j'avoue, mais on est plutôt fiers. Donc là, on a une petite vidéo aussi, si c'est possible. On la présentera tout à l'heure. Donc pour présenter en 3D, il faut penser que c'est vraiment une hélice. La forme finale, c'est une hélice. La vidéo, donc voilà. Grâce à ça, en fait, on a l'air qui rentre par l'extérieur et qui va fournir un élément de rotation éolien pour l'attraction. Voilà, merci beaucoup.